Eh bien, boules les gens, et bienvenue sur la chaîne Playfraps TV. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Playfrap, justement, donc sur celle de Call of Juarez Burn in Blood. Donc c'est un jeu édité par Ubisoft et développé par Techland. Ce jeu est sorti le 7 septembre 2006. Et Peggy déconseille ce jeu au moins de 18 ans pour cause de violence et de langage grossier. Bon, là, vous pouvez voir que le menu principal y est à l'envers. Je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est dû. Enfin bon, bref, on s'en fout, hein. Mais le jeu est quand même... Enfin, il est à l'endroit, donc c'est bon. À savoir que ça fait 4 fois que je relance la vidéo. Enfin, que j'essaye de refaire la vidéo. Parce que j'ai essayé avec 3 fois avec Fraps, ça a pas marché. À chaque fois, il y a tout le temps des coups de lag. Donc là, je refais un test, ou plutôt je fais un test tout court, avec, encore une fois, XSplit. On va faire une nouvelle partie en normal, et c'est parti. À force, je connais tout par cœur, hein, donc ça devrait aller. Non, Thomas, il va te tuer. Je vous aimais, et vous m'avez menti. Vous m'avez trahi. Dis-nous ce que tu veux, Ray. Que justice soit faite. Oh mon Dieu! Moi qui désirais ardemment guider mes frères vers la sainte lumière du Seigneur. Tous, je nous ai perdus. Voilà que mes frères sont prêts à s'étriper. Et pourquoi? Pour une femme, de l'or, le temps des paroles est révolu. Je dois leur montrer qu'il existe des choses plus importantes que la fierté, la cupidité et la luxure. C'était la fin du mois d'août 1864. Les troupes du sanguinaire général Yankee, William Tecumseh Sherman, traversaient la Géorgie, brûlant tout sur leur passage. Les temps étaient durs. Notre père s'était fait tuer peu de temps auparavant, lors de la bataille d'Antietam. Ma mère et moi étions seuls, faisant de notre mieux pour sauvegarder ce qui restait de la ferme familiale. 2 ans plus tôt, j'avais quitté le séminaire et abandonné mes études de théologie pour aider ma famille. Tout ce que nous possédions était sur le point d'être réduit en cendres. Notre seul espoir était entre les mains des forces confédérées venues défendre la rivière Chattahoochee. Dans leur rang se trouvaient mes 2 frères, Thomas et Ray. Bon là, normalement, dans le jeu, au fur et à mesure, vous aurez le choix d'incarner Thomas ou bien Ray. Bon là, pour l'instant, on ne peut pas incarner Thomas, donc on va incarner Ray, évidemment. Si on n'a pas vraiment le choix. Par contre, je vais parler un petit peu fort, je sais pas, parce que je ne sais pas en gros si le son est bon ou pas en fait, c'est ça le problème. C'est parti. Sergent! Sergent! Le lieutenant Fox a besoin de vous sur le flanc! Les Yankees ont pris la forêt! Donovan, regroupez vos hommes! À vos ordres! Nous les avons repérés dans les arbres! Oh merde! Ils ont dépassé les hommes postés au fleuve. Barnsby est au courant. Je l'ignore, sergent. Les voilà. En position. Visez. Recharger. Feu à volonté. Dieu, tuez-les. Allez, messieurs, bougez-vous le cul si vous ne voulez pas que les Yankees couchent avec vos femmes. Vous avez vu ça? Des sapeurs, lieutenant. Ils ont fait sauter les fortifications. Merde. Allez-y, McCall. Et tâchez de revenir vivant. Donc ouais, le son, je sais pas si c'est bon, donc limite c'est un peu au pif. Espérons que ce soit bon. Fox dans la cuite. Ça promet. Préparez vos armes. Qu'ils arrivent. Oh punaise, y'en a un qui a volé. Donnez votre
position! On va rester ici au cas où il y en aurait d'autres. On vous laisse ceux qui ont réussi à passer, sergent. Lieutenant, il faut contacter le quartier général. Il se peut que l'ennemi ait traversé le fleuve. Mon frère était là-bas. Vous pensez que la guerre va s'arrêter pour votre frère, McCall? Dégagez-moi ces Yankees, sécurisez la zone et venez me faire votre rapport. Bim. Allez dire à l'état-major qu'on protège le flanc et qu'il faut lancer une contre-attaque au niveau du pont. Sergent. Bordel de merde, à couvert. Un tireur d'élite. Montrez-vous, bande de fils de pute. J'ai pas de temps à perdre. Normalement je l'ai eu, ouais. Tiens bon, franchement. J'arrive. Tiens bon. Merde. Qu'ils aillent se faire foutre. Je vais pas laisser mon frère se faire descendre. Bon après vous allez voir que là il était vachement loin à recharger son arme, mais après ça ira mieux. Capitaine, l'ennemi tente une percée sur le flanc gauche. Nous devons contre-attaquer. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend, McCall? On ne salue plus? O'Donnell. Capitaine, je demande la permission de mener l'attaque. Refusé. Leur canon empêche toute progression. Nous passerons par la forêt. Écoutez, McCall, je sais que votre frère est en poste au niveau du fleuve et je ne tiens pas à ce que vous fassiez une bêtise. Pour le moment, nous allons effectuer une retraite stratégique. Rejoignez vos hommes. Qu'il y aille, capitaine. Mais... McCall, si vous atteignez les tranchées, je les attaquerai de mon côté. À vos ordres. Le caporal Scott vous accompagnera. Merci. Rassemblez vos hommes, caporal. Avec moi. Oh, ça c'est du doubleur quand même. Bon, bah en tout cas, il y a beaucoup moins de ralentissement que tout à l'heure. Donc c'est plutôt plaisant. Mais ouais... Comme sur Métro 2033, vous n'aurez pas une image nette. C'est un petit problème. À vous de me le dire. Ah, quand je filme avec Xplit, j'ai une de ces envies de faire des lives. Salut. On se dirige vers les tranchées. On doit attaquer. Mais vous êtes fous! Comment comptez-vous franchir leur défense? Ils vont nous déchiqueter. Si on peut pas les attaquer de face, on les prend de côté. Je refuse d'envoyer mes hommes à la boucherie. Smith, amenez McCall au bout de la ligne de front. S'il veut se faire tuer, c'est son droit. Mais oui, c'est mon droit. Par ici, sergent. Il y aura bientôt de McCall en moins dans ce monde. Tant pis. Ah. On a perdu un allié. Que lorsque vous avez l'ennemi en vue. Vous pouvez activer le mode concentration lorsque celui-ci est... J'ai pas eu le temps de lire. Ouais, est chargé, je crois. Utilisez la souris pour sélectionner les ennemis. Vous pouvez utiliser le mode concentration chaque fois qu'il est activé. Faites feu sur les ennemis pour augmenter votre enfin pour augmenter en concentration. Très bien. Ah, comment je te les ai explosés. Alors tu vois, je ne me suis pas fait descendre, et pourtant Smith, regarde, j'ai réussi. O'Brien, au rapport.
œil sur vous, McCall. Il doit avoir un plan pour vous. Peut-être qu'il veut qu'on reprenne ces foutues tranchées. J'espère bien. En avant, soldats. Il est temps de présenter nos baïonnettes à ces bâtards de tunique bleue. J'ai pas vu l'heure. Tant pis, c'est pas grave. Je sais à peu près où est-ce qu'on va s'arrêter. Si tout va bien. Après, Ray n'est pas fait pour avoir une... enfin, un fusil, hein, je tiens à le préciser. C'est pour ça qu'il est hyper long à recharger. Avec Thomas, c'est beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, avec le fusil. Hein. Explosif. À chaque fois, je me fais avoir de toute façon. Kaboum. Ah, niveau près du rebord automatiquement en mode couverture. Si vous regardez en haut, ben vous êtes à couvert. Dès que vous regardez en bas, vous pouvez tirer. Donc, c'est plutôt pas mal comme système. Je crois qu'ils sont morts vu que j'ai tiré dans un baril explosif. Ah, ça brûle. Tiens bon, frangin, j'arrive. T'es touché, hein, c'est bête. Et bim. Non. Et bim. Et bim. Ouais, ça c'est un peu débile. Meurs. Coucou, salut. Coucou, salut. C'est comme dans les jeux, comme dans tous les jeux en fait, ce qui me fait marrer c'est qu'on est tout seul face à une armée et on arrive à tous les décimer. Et bim! Oh! On se calme! Et bim! Y'a quelqu'un? Entre et tu verras bien, salopard de Yankee! Thomas! Thomas! T'es en retard. Quoi? J'ai posé des charges sur le bon, mais je peux pas les déclencher maintenant que ces fils de pute ont pris nos canons. Prochain assaut, on est cuit. Hansby va envoyer des renforts. Ils arriveront trop tard. Regarde, les voilà. Ray, prends l'autre Gatling. Oh ouais, là ça va faire mal. Si je peux bouger, ouais c'est bon. Hop. C'est parti. Vous ne passerez pas, je m'en fous. Ça fait beaucoup de peur pour les Yankees tout ça. Ces maudits Yankees sont un peu trop frères, mon coup. On peut pas tenir plus longtemps, Ray. Je vais faire sauter le pont. Caporal. Attends. Laisse-moi y aller. Mais faut se débarrasser des canons.
Dépêche-toi, j'ai presque plus de munitions. Scott, avec moi. J'ai fait n'importe quoi au début, vous n'avez rien vu. Non, c'est pas vrai, 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 c'est pas vrai. Oh non, on a perdu un collègue. Bah je m'en fous, je le connaissais pas en fait. Bouge toi. Oh. Plutôt utile ça. Mais je préfère celui de Thomas. Ça, je crois que vous le verrez dans la prochaine vidéo. Oh, tu te calmes. Bon, normalement, c'est au western, c'est pas tout le temps la guerre de sécession. Hein. Je peux vous rassurer, ou pas. Enfin, je sais pas, vous voir. Si vous aimez bien, tant mieux. Mais non, non, c'est pas que à la guerre de sécession. Ah, est-ce que j'ai encore des dynamites? Ouais. Et bim! Il me l'a renvoyé cette sale bête. Faites gaffe! Tiens, mais qui comprend un grenade! Ah, oh, c'est un peu une grenade, mais. Wow! Vous appelez pas ça. Vous appelez pas comme ça à l'époque. Oh! Non, pas encore. Ça va pas tarder, mais je ne suis pas encore mort, monsieur. Toi, tu es mort par contre. C'est dommage que je n'ai pas en coop, ça aurait pu être marrant. Donc on est souvent avec nos frères, bon pas là, je vous l'accorde, mais... Dans le jeu, la plupart du temps, on est souvent avec notre frère. Oh, un officier. Il n'aura pas tenu bien longtemps, hein. Nom de Dieu, chargez les canons, vite! Ah, par contre là ça va être en mode galère. En gros là vous avez des petits bateaux de Yankee qui arrivent et vous devez les éliminer grâce au canon. Et bim. Non. Et bim. 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 Vous y arriverez pas, je m'en fous. C'est une arme assez dévastatrice, hein, je vous l'accorde. Si on s'est limité, autant se faire plaisir. Hein. Bim.
Que comptez-vous faire, sergent? Faire sauter ce putain de pont. On va sauvegarder par contre, et on y va. Parce que monsieur m'accompagne, mais bon. Pourtant Thomas avait dit qu'il avait déjà posé les explosifs. C'est pas grave. Missy dit fou tout ça. Aïe. Je te calme. Il dit tu te calmes. Donc toi je vais te bourriner. Le pied bim. Je crois qu'il est mort. Je suis pas sûr, hein, mais je crois. Vite, on pose. J'ai dit on pose, vite, vite. Je sais pas ce qu'il y a plus de munitions. On a des potes. N'inquiétez pas, vous allez faire boum. Aïe. Kaboom les gens. Hey, ça va? Hey, t'as réussi? T'as fait sauter ce maudit pont? Mais ouais, qu'est-ce que tu crois petit? Putain, où sont ces foutus renforts? C'est pas O'Donnell? Ce fils de pute est tout seul. Cet enfoiré de Barnsby n'a envoyé aucun renfort. Sergent? Voici vos nouveaux ordres. Le colonel Barnsby a fait sonner la retraite générale. Mais on a repoussé l'ennemi. Pourquoi veut-il qu'on se retire? Nous partons protéger nos lignes d'approvisionnement à Jonesboro. Si les Yankees les coupent, Atlanta est perdu. C'est à 80 km d'ici. Obéissez aux ordres, sergent. Vous en subirez les conséquences. Du calme, O'Donnell. Notre ferme est en danger. Et je serai pendu avant de laisser les troupes de Sherman la réduire en cendres. Vos ordres sont clairs. Si vous les ignorez, vous serez accusé de désertion. C'est une menace. Pas une menace, non. Une promesse. Dites au colonel Barnsby que nous prenons une permission pour protéger notre ferme. Et que nous avons repoussé l'ennemi. Maintenant dégagez. Avant que je vous carre votre pistolet, là où le soleil ne brille pas. Barnsby nous fera passer par les armes. S'il nous attrape, frangin. Seulement s'il nous attrape. Temps de jeu total 21 minutes quand même. Précision, pff, ouais, c'est ridicule. Mais bon, après avec deux revolvers, hein, bon bah voilà, hein, j'ai une petite excuse. Bon. La guerre transforme les individus. Elle détruit leur vie, décime leur famille. Et tous ces sacrifices ne sont que rarement récompensés. Mes frères avaient dû choisir entre défendre la cause confédérée et la vie des membres de leur famille. Lorsque je les vis auprès de notre mère et que j'appris qu'ils avaient déserté, je ne pus en croire mes oreilles. Je savais pourquoi ils l'avaient fait. Pour moi, pour nous, pour notre famille. Donc maintenant, on incarne Thomas parce que Ray n'est pas disponible. En gros, c'est un petit peu les tutos, entre guillemets. Allons-y.
Ouais, mais ça va pas être pour tout de suite, l'ami. Donc en tout cas, j'espère que cette première vidéo de la Playfraps vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, ainsi qu'à la partager. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et à vous abonner, ainsi qu'à nous suivre sur la chaîne Twitch TV. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, malgré que je ne peux... Enfin, c'est pas que je peux plus filmer avec Fraps, mais ça devient galère, quoi. Mais quand je filme avec XSplit, ben, je trouve que non seulement ça reste fluide, et l'image, elle est pas trop dégueulasse, je trouve. À vous de me le dire. Donc, moi, d'ici là, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, et ciao, bye bye, les gens.